Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous êtes très nombreuses à me dire que vous avez un petit peu du mal à faire le remplissage, je vais vous montrer sur cet ongle comment bien limer au niveau du remplissage. On n'a pas forcément besoin d'enlever tout le gel. Donc, d'ailleurs, c'est ce que je préconise de ne pas enlever tout le gel pour pouvoir conserver quand même un maximum d'ongles parce que bien souvent, vous allez aller beaucoup trop loin au niveau du limage et donc du coup, vous allez vous retrouver avec des zones carrément rouges sur l'ongle et en plus de ça, vous allez devoir retravailler votre bombée donc en mettant beaucoup de gel. C'est pas forcément le but d'un remplissage. Le but d'un remplissage, c'est justement de conserver un petit peu de bombée pour avoir éventuellement pas besoin d'en remettre ou alors vraiment très peu. Donc pour cela j'utilise comme d'habitude une lime à grain épais et je vais commencer donc à limer ma surface. Ce qu'on a l'habitude de faire c'est limer en priorité le centre puisque finalement c'est ce qui est le plus facile. Moi au contraire c'est l'inverse que je fais. Je commence par le haut, par les côtés, par l'avant et en tout dernier je lime le centre. Ça me permet d'avoir le bombé que je souhaite. Donc une fois que j'aurai limé tous les contours, je viendrai vérifier au niveau de mon bombé. Je verrai si c'est bien et si c'est bien comme ça, je le laisserai même s'il reste un petit peu de couleur puisque de toute façon après je vais remettre de la couleur par-dessus. Bien sûr, si on ferait une couleur beaucoup plus claire, on serait obligé d'enlever entièrement la couleur. Mais là en l'occurrence, on va repartir sur une teinte foncée. Donc il n'y a pas de souci. Donc ce que je vais faire, comme je vous l'ai expliqué, je vais d'abord limer le haut, puis bien les côtés, bien l'avant, et ensuite bien sûr je vais le raccourcir. En plus de ça, il y a un petit bout cassé, donc je vais vous montrer comment rattraper ça. Ici on va de toute façon le raccourcir, donc ça va pas être très compliqué. Et donc ensuite on aura vraiment le bombé au bon endroit. Le bombé, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il a tendance à avancer avec l'ongle qui pousse. Donc notre bombé qui était bien placé il y a un mois, même 5 semaines dans ce cas-là, il a avancé. Donc on va devoir le repousser un tout petit peu plus en arrière. Donc on va devoir limer un tout petit peu le bombé qu'on a ici. On va devoir vraiment le pousser vers la cuticule pour qu'il soit placé au bon endroit. Ouais, je me place pour que vous voyez bien. Et donc voilà, je vais limer sur tous les contours. Donc on tire toujours bien la peau sur les côtés pour éviter de limer cette partie. Voyez également que je tiens ma lime différemment. Donc je la tiens comme ça et plus comme cela. Donc ça c'est uniquement quand je fais le côté. Pour le haut, à nouveau, je retiens ma lime entre l'index et le majeur et le pouce de l'autre côté. Donc encore une fois, je tire bien la peau sur le côté et je vais bien aller jusque dans le coin, enlever le reste de gel. Je lime très délicatement sur le haut puisqu'on est vraiment directement sur l'ongle naturel qui vient de repousser. Donc ça doit toujours être très léger au niveau du haut. Donc là, vous voyez le blanc qui commence à apparaître. Donc c'est la couleur que j'avais le mois dernier au niveau du remplissage que j'avais décidé de laisser pour justement accentuer donc ce bombé. Donc là, je vous montre ce que ça donne de profil. Là, on n'a pas encore raccourci l'ongle. On va le raccourcir maintenant et on va voir ce que ça va donner ensuite. Donc pour raccourcir un ongle pour qu'il reste bien carré, on recule juste un petit peu. Donc on va poser la ligne bien droit, ni trop vers le haut, ni trop vers le bas, et on va limer. Donc je maintiens quand même assez fort son ongle pour qu'il y ait le moins de vibrations possible. Je lime toujours un tout petit peu sur les côtés pour reprendre mes parallèles.
Je casse un tout petit peu mes angles. Et voilà, là on a la longueur qu'on souhaite avoir. Je voulais pas que l'ongle soit trop long. Et donc du coup, on va regarder de profil ce que ça donne. Et là, on se rend compte donc que le bombé est encore un petit peu trop vers l'avant. Donc on va encore le reculer un petit peu. Et pour cela aussi, donc on va pouvoir limer encore un tout petit peu sur l'avant. Ça s'est un petit peu épaissi puisque je l'ai raccourci. Donc dès que vous raccourcissez un ongle, forcément, vous allez tomber dans une partie où l'ongle va être un tout petit peu plus épais, où il y a encore un petit peu plus de gel. Donc vous allez encore pouvoir limer. Et là, dans ce cas-là, je lime comme cela. Je vais vous montrer de profil. Ça me permet en fait de repousser mon bombé et ça me permet d'avoir quelque chose de vraiment très très fin au niveau de l'avant. Là, je suis toujours encore sur le gel. Je ne touche encore pas l'ongle naturel. Donc, je vais conserver comme ça un tout petit peu de gel. Et donc là, je passe sur la surface pour enlever quand même le maximum. Voilà. Et là, on va se rendre compte que finalement, notre bombé est pas mal comme ça. Il est léger, mais il est présent quand même. Et donc, du coup, là, je vais pouvoir donc mettre ensuite, bien sûr, bien cleaner la surface. Je vais bien sûr repousser les cuticules avant, désinfecter. Ça fait partie des travaux de base. Je vais à présent pouvoir ensuite donc bien nettoyer la surface, appliquer mon gel de base et appliquer à nouveau une très fine couche de gel de construction. Et ensuite, j'applique simplement mon semi-permanent dessus et ma finition semi-permanente. Et ça me permet finalement d'avoir un résultat comme ce que j'ai sur mes ongles actuellement. Donc, c'est simplement du semi-permanent sur une très fine couche de gel, donc un gainage sur ongles naturels. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous laisse avec donc les liens sous cette vidéo en barre d'infos où vous retrouverez donc toutes les informations sur les formations que je propose, donc les formations certifiantes. Donc il y a la formation de base vraiment ultra complète, même pour les débutantes. Ensuite, la formation Nail Art qui comprend une centaine de vidéos, dont des vidéos sur ce type de Nail Art. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très simple, mais on va aller très très loin dans le Nail Art. Donc il y a vraiment trois niveaux de Nail Art différents. Donc vraiment, c'est adapté aux débutantes, aux moyennes, comme aux confirmées. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir progresser comme ça dans la formation. Et la dernière formation, c'est la formation Forme Artistique, où je vous apprends vraiment toutes les formes artistiques qu'on propose actuellement sur le marché. Et dès qu'une nouvelle forme sort, eh bien, je l'intègre à cette formation. Si vous voulez suivre également un atelier sur le succès et la réussite, donc comment accéder au succès, je vous offre également une place pour entrer donc dans cet atelier. Tous les liens se trouvent sous cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker et surtout à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Je vous dis à très très vite et merci infiniment. Bye.